Sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui t'a réagi tout après le fin assisté cérémonie en ancien lieu de France, quoi est important pour la justice faire lumière sur assassinat ça, qui fait sous Daniel d'Orsainville avec Madame Ligueldi Larèche d'Orsainville. Représentant Nord-Est l'a fait qu'on est, l'il est temps pour affaire qu'à se faire couvrir ça a fini, yon façon pour impunité kaba dans pays a, côté crime pas suspend multiplié. Déclaration sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Organisation droit moun yo, organisation populaire yo, yo mette voix yo ensemble avec famille Larèche, famille d'Orsainville, yo mette voix avec les parlementaires les plus conséquents du pays pour réclamer justice pour famille Larèche et pour famille d'Orsainville. Nous t'a souhaité que affaire casse fait couvrir ça, li fini, mais cependant nous croyons que c'est une bataille qui pour faite. C'est une bataille ensemble, tout le monde dans la société a supposé mettre main ensemble avec famille Zaoa pour permettre que nous joignent justice et justice tout bon vrai pour permettre que définitivement règne de l'impunité a li fini en d'abeya. N'a pas rappelé Daniel d'Orsainville et Geldi Larèche d'Orsainville t'est tombé en babal assassin yo pas trivé identifié 8 février passé à dans zone bois patate. Si pour député Ronald Larèche, c'est une transaction yo t'est saute fait la banque, Antonal Mortimé lui-même pas fin certain son information ça. Selon différents témoignages, criminels sans foi ni loi qui t'est attaqué de monsieur Damien dans mitan la rue, t'est vérifié si yo t'est mouri après yo t'est tiré Daniel dans l'estomac et puis by Geldi plusieurs balles pour t'est prendre une valise qui t'est dans mêle. Madame d'Orsainville, qui c'était une infirmière, passait environ 20 années à travailler dans le département Nord et dans la capitale là. Daniel d'Orsainville, c'était un ingénieur civil qui a milité pour respect de moun pendant qu'il était en bataille tout pour protection environnement. Li c'était fondateur Gage, une organisation qui défend de moun qui fait partie POHDH, un cadre dans le ministère Travaux publics et puis un enseignant qui était fait cours dans l'école dans la capitale là. Monsieur Damio était marié dans la date 18 septembre 1992. Trois petites yo, deux garçons et une fille, vivent aux États-Unis depuis après catastrophe 12 janvier 2010 là.